Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre Vaudoux. Et c'est un immense plaisir que nous soyons tous réunis ce soir, place Guérin, car ce soir, tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose d'unique. Ce soir, si chacun et chacune d'entre nous y met un peu du sien, nous ferons un miracle. Oui, vous êtes tous rassurés. Si tout le monde y trouvait un peu du sien ce soir, nous sauverons une vie. La peinture, pour nous, c'est un loisir. Et puis, bon, on se fait plaisir, et puis voilà. Et la foire aux croûtes, ben, une fois dans l'année, on vient ici pour essayer de vendre un peu. Il y a beaucoup de fleurs. Bon. Il y a 1, 2, 3, 4 exposants. Et pourquoi beaucoup de fleurs en fait? Ben, en général, quand on ne sait pas que peindre, on peint des fleurs. Voilà, c'est tout. Bah, là, j'ai des choses quand même, j'ai des choses bien diverses. Franchement, je peux pas englober tout dans une globalité, justement. Mais par exemple, là, sur le côté, on voit un montage photo que j'ai réalisé, c'est une sérigraphie. Là, ça se rapprochait plus de mon travail quotidien, parce que je suis étudiante aux Beaux-Arts, en fait. Et ce qu'il y a à côté là par contre, ce serait beaucoup plus de travail pour le plaisir, Donc là je mise beaucoup plus sur le côté esthétique de la chose. Voilà. Mais c'est beaucoup de travail à la plume, de travail de dessin principalement, de travail à la plume, rehaussé de dessin, ici du crayon de couleur, donc beaucoup axé sur le dessin. Les thèmes en fait, ça vous vient comment? Oh bien, ce sont des petits moments de bonheur, des instants de jour qui sont captés comme ça, des envies de montrer aux gens, de s'arrêter puis de dire aux gens regardez ce que j'ai vu, regardez ce qui m'a plu, voilà, et le transmettre à ma façon, l'interpréter à ma façon. Et on fait des petits reportages en fait tous les jours sur la foire aux croûtes, on demande aux gens comment ça se passe un peu l'ambiance sur cette foire aux croûtes cette année. Bah, l'ambiance elle est comme l'année dernière, hein. Ça se remue pas trop. Hein. On attend les clients, hein. Je sais pas s'ils vont venir, sait rien. Il y en a qui viennent là un petit peu? Non, zéro, enfin, les gens circulent, ils regardent, ils comparent. Et puis quand ils ont bien comparé, ils sont bons. Ouais. C'est vous encore deux jours, il y a l'espoir. Hein. L'espoir fait vivre. Hein. Ouais. Et donc voilà, en fait, on fait un petit truc sur si ça vous dit de présenter un peu votre travail. Ça c'est pas moi, c'est mon père. Ah, donc toi tu es pour rien. Non, c'est pas du tout moi. Je sais pas si on peut te poser quelques questions sur ce que tu as fait, toi. C'est mon père qui fait, donc je peux pas trop parler à sa place, quoi. Ah, toi aussi. Ah non, parce qu'on rencontre vachement de gens, en fait, qui sont venus là pour leur père. Ouais, mais là, c'est midi, en fait, donc ils sont tous en train de manger, je pense. D'accord. Et donc, toi, tu tiens le stand pendant que ton père est en train de picoler au bistrot, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Il travaille aussi un petit peu. Hein. Ouais. Pour vous, une croûte, c'est quoi? Une croûte? Ouais. Tu parles de la baguette de pain ou du tableau? Du tableau. Comment on définirait une croûte? À partir de quand on n'est plus une croûte? À partir de quand on l'est encore? C'est en épaisseur, ouais, c'est de l'épaisseur. C'est beaucoup. C'est parti de là, la base, l'épaisseur, sur une toile. Quoi. Ça fait comme une croûte. Quoi. Le mot de mot employé justifie la chose. Hein. Donc Van Gogh faisait des croûtes et là c'est des croûtes. Enfin, c'est juste un mot technique. C'est un mot technique, voilà, exactement. Ouais, alors nous vendons des boutiques créées au Sénégal, très jolies, voilà, qui sont faites dans la pure tradition des batiks et qui sont encadrées par son mari qui fait ça, avec des conserves, des vieilles conserves qui le frappent et voilà. Alors il nous reste encore quelques batiks, mais ça va pas durer très longtemps parce que là j'ai dû sortir les dernières, mais je pense que bon, va falloir se presser, je pense. Hein. Sinon au niveau des croûtes, t'en as vu des belles, t'en as vu des moches?
Bah, j'ai vu celles qui sont gratuites à voir. J'ai pas été voir celles qui sont à 1€ à voir dans les Barnums. On peut sentir les phéromones de nos amis créatifs se pavoiser de couleurs et d'esquisses chamarrées. Merci. Les baragouineurs, alors il paraît que c'est pas terrible. Ça c'est toi qui le dis, mais je pense que tu confonds avec le Cri du Cru, le plus mauvais groupe du monde, le groupe où mon cousin et moi on jouait avec Yves Averti, notre manager menteur des baragouineurs, qui est d'ailleurs le créateur de cette fameuse compagnie à deux, mon cousin et moi, les baragouineurs, qui entont les fest-noz et autres animations festives, comme ici à la Foire aux Croûtes. On a traité cette musique de manière un peu électro, de manière un peu festive, parce que c'est une musique populaire à la base. Et parfois on a un peu tendance à l'oublier, quoi. Donc nous, on lui a remis une espèce de couleur, tout simplement de chansons, que finalement les gens qui veulent danser peuvent danser, puis ceux qui veulent l'écouter, la chanter, bah, ils la chantent tout seul, chez eux, avec le disque, ou avec nous sur scène, enfin, etc. etc. C'est que de l'amour les baragouineurs en fait. On m'a dit justement qu'il y avait un taux exceptionnel de couples qui se créaient pendant les concerts des baragouineurs. Dans le concert il y a toujours des couples qui se créent, tout ça machin, mais que les baragouineurs c'était vraiment... c'était assez énorme. C'est normal parce qu'on fait le quart d'heure armoricain. Tantinade de coco ghetto, les deux cousins. Tantinade de coco ghetto, les deux cousins. Le premier chante le matin, le deuxième regarde la télé TIZEF. Ça va? Faire un zoom là. Et pourquoi? En effet quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mais il est beau mon Marcel, c'est du XL. Il y en a très peu dans le monde. Et donc t'as eu ça avec au café du café de la plage. Et voilà, faut y aller quoi, au café de la plage peut-être. Donc Marcel fait des Marcel ou au café de la plage. Exactement. Mais est-ce que Jean-Yves fait des Jean-Yves au Triskel? Ben non, je pense pas. Enfin, faut que tu m'apprennes ce que c'est un Jean-Yves quoi. Comme coupe, c'est quoi? Je sais pas. Je suis un peu mal à l'aise devant la caméra. D'accord. On va te laisser tranquille. Vous en pensez quoi, vous, de ce petit gnome, là? Bah, c'est rigolo. Ouais. Et il paraît que la nuit, il se réveille, il se passerait des trucs. Enfin, t'auras envie d'en acheter un, là, comme ça? Bah, ouais, c'est mettre dans ma chambre. Et parce qu'ils sont encore vivants, en fait. C'est même pas vrai. Alors là, je te jure, demande à... Ah, ils sont encore vivants? Elle ne croit pas qu'ils sont encore vivants? Mais si, ils sont vivants tous. Je veux faire peur aux petits enfants que vous dites ça. Excuse-moi, t'as vu de la bonne tecrou là dans le coin? Ouais.
pas qu'il y en a des sympas. Hein, des... Il y a de tout. T'as kiffé sur des trucs un peu? Ouais. Ah ouais, vu de la bonne crew un peu ici. Non, oui, très bien, ouais. On est resté 5 minutes, mais on a eu le temps de voir de bons artistes et avec beaucoup de talent. Ouais, t'as kiffé pas mal des trucs En particulier, je sais pas, on a vu un truc là-bas, ça ressemblait à du cubisme qui était sympa, et puis un collier en pâte fimo aussi. Voilà, il fait très chaud et c'est bien agréable, Passe-Garin aujourd'hui. Ouais, ouais. La croûte bien crassouse, bien moulue. Ouais. Ouais. Les trucs sur lesquels t'as kiffé ou bof? Ouais. Ouais, ça, les trucs comme ça, là, cet artiste-là, et ça. Et puis, le... On n'a pas fini, en fait, on vient juste d'arriver, on n'a pas fait tout le temps. Les femmes... un peu ouais à poil. Ouais, non mais ouais non mais faut un peu cadavérique. Ah ouais, ça non, ça j'ai faut un peu, c'est un peu choquant mais ça reste quand même je sais pas, on dirait des vieilles femmes j'ai pas vu. Puis, nous avons bu des bonnes croûtes. Des bonnes croûtes, oui. Vous-même, vous êtes une bonne croûte, non? Oui, voilà, je suis une excellente croûte. Ouais, donc vous avez des trucs à dépanne et tout, mais et c'est plutôt du bon matos que vous avez? Ah ben ça, c'est pas moi qui juge. Moi, bien sûr, c'est excellent pour moi, forcément. Non, je fais la peinture à l'huile et du pastel. C'est plus difficile que la peinture à l'eau? Ah, ça oui, C'est pas la même chose. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de fabriquer peinture. Ma peinture. D'ailleurs, je fais de la peinture à l'œuf aussi. J'avais envie d'en faire, mais bon, je n'ai pas réussi à amener tout le matériel. La peinture à l'œuf? À l'œuf. Bah oui, c'est très ancien. C'est ancestral, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous ne faites pas, en fait? Des costumes aussi. Est-ce que je ne fais pas... à tous les enfants, à 4 heures. Les 3-8. C'est une artiste complète. Je reprends goût à la vie. Je dors dans un vrai lit. C'est bon pour mon arthrose. Je fréquente les pâtisseries. Je me bourre de mon chéri. Je fais mon overdose. Oh, pardon. C'est double contrôle en si bémol, j'y arrive pas toujours. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Mon tout petit RN. Il chante bien, hein, il fait... applaudissez-le, hein. Et vous venez à 16h30. J'ai besoin de monde pour ma cérémonie de désangoissement. De gens qui savent chanter et tout. C'est parti, mon kiki. Je la merodette. Excuse-moi, je suppose que vu que tu as un marteau devant toi, tu dois certainement être un artiste. Parce que tu es un destructeur. C'est pas mal ciblé, ouais. Plus que ça. C'est plus que ça? Parce que pourquoi les artistes sont plus que destructeurs? Bon, c'est relatif, à la limite on peut construire à partir d'une destruction, mais je sais pas, enfin... Et justement derrière là, il y a des photos de destruction, est-ce que c'est toi qui l'as prise? Oui, bien sûr, ouais. Et tu les as aidés en fait, c'est une photo où c'est toi qui es en train de détruire, hein, c'est ça le principe en fait? Non, pas vraiment, non. À la limite, c'est un petit peu à mi-chemin entre quelque chose qui est de l'ordre du documentaire et de l'ordre d'une image qui raconte un peu une autre histoire, enfin... Et là, les deux associés créent une petite association d'idées que je trouve rigolote. Qui est? Ça laisse libre cours à pas mal d'imagination, c'est ce que j'espère surtout. J'essaye de montrer, de donner des choses à voir et de créer des... comment dire? De lancer des pistes pour qu'il puisse y avoir des histoires qui se racontent en fait, suivant la personne qui va regarder, le spectateur, s'il arrive un petit peu à s'immerger dans le truc, je m'arrange pour mettre des choses qui racontent quelque chose de précis, mais tout en étant relativement vague. Comme ça permet à chacun, je pense, enfin j'espère en tout cas, de se faire sa propre histoire à partir de ces éléments en fait. Donc pour toi l'art c'est un moyen pour les gens de pouvoir rêver tout simplement? Bah oui il faut, hein, c'est important. Ouais. Je pense qu'on est là pour ça, on est un peu des créateurs d'imaginaire, bon c'est une très jolie phrase mais je pense que c'est important quand même. On est là pour raconter des histoires, enfin pour moi c'est important quoi, de raconter des histoires. Je veux vous mettre le feu, vous êtes d'accord? Alors attention là, attention les yeux, attention.
attention à la mise en scène. Il suffit que je dise un mot magique et vous savez ce que c'est? Non, c'est a music. Ce n'est pas bien gentil. Elle, lave le temps, les enfants et les fleurs. Rire partout comme un fou de mon cœur. Alors en chemin, rire ça fait du bien. Rire, il suffit d'écouter son cœur pour voir le monde en couleur. Aime les fruits, les endives et les œufs. J, J, O, O, U, U, E. Joue du piano avec l'eau et le feu. Allez! Aime le foin, joue avec les coussins. Il suffit de quitter son cœur. Le Nico S-S-U-S-S-A Suisse à la guerre, la misère, au gros mot. Je pense que ça permet quoi la foire en croûte? Ça permet donc dans une ville de se retrouver tous autour d'un, pas un petit festival, mais un petit truc de quartier qui est vachement sympa. Ouais. Ça permet de s'exprimer. Ouais. Excuse-moi, la foire en croûte, en fait, c'est la seule solution que tu as trouvée pour pouvoir lire tes bouquins? Ouais, exactement. C'est super, on a chaud, on transpire, on peut plus respirer et pour lire, c'est d'enfer. Voilà, c'est tout. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la foire aux croûtes? Ça représente quoi? Ça représente quoi? C'est
tout le monde peut exposer. Moi, c'est ma première expo, donc c'est un bon tremplin, ou peut-être, je sais pas. Artistiquement, je me définirais, indécise. Alors, je fais un peu de trucs, quoi, je bidouille et on voit, quoi. T'es bidouilleuse des pinceaux. Ouais, je bidouille, ouais. Voilà, bidouilleuse des pinceaux, on peut dire ça comme ça. Et ça te permet quoi? Allez, ça me permet d'avancer énormément dans ma vie, dans ma vie artistique. Non, je sais pas, ça permet de montrer ce que je sais faire aux gens. Il va exposer avec moi, lui. Il a une moto. Et même qu'il habite à l'hôpital Canfrotte. Je le connais vachement bien. Est-ce que tu connais Bernard? Même que j'ai de la peinture à lui chez moi. Est-ce que tu connais Bernard? Bernard, c'est son frère. C'est ton oncle? Non, c'est bon. C'est mon père. Définir votre musique, ce serait quoi? Musique de merde. Et après? Chaque pas. Non, mais en fait, c'est... Voilà, c'est ça. Non, je l'ai à bombarde. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais du tremblant aussi. La bombarde, quoi. Et la cornemuse? Moi aussi. Tu fais la bombarde? Une groove box. Une groove box, voilà. Une groove box fait... C'est comme un... Boutons, bah, tu appuies sur des boutons, ça fait de la musique. Ouais. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Groove Boys. Groove Boys, voilà. Bon, non, en fait, non. Si, c'est pour ça? Si. Ah bon. Voilà. C'est nul, hein. C'est nul. Thank you.
Donc ça fait des années que vous travaillez ensemble, des années que vous bossez, des années que vous répétez. 30 ans que le groupe existe et donc on commence à être connu depuis l'année dernière, mais on a beaucoup travaillé pendant 30 ans pour être pour arriver à ce niveau-là. Il faut dire que on a tous fait le conservatoire quoi. Et c'est là qu'on s'est connus, qu'on a décidé de reprendre des vieux classiques, des classiques la musique classique quoi. Donc en fait, c'est des morceaux qui depuis ont été repris par la Star Academy, voilà. par les auteurs, les auteurs originaux en fait. Ceux qui avaient fait les morceaux, les ont repris après nous, quoi, tu vois. Je suppose que vous avez un plan de carrière bien défini. Oui, déjà notre premier morceau, c'était Isabelle a les yeux bleus. Puis donc après, on a essayé de changer un petit peu et on va passer à un nouveau morceau qui est complètement différent, avec des nouveaux arrangements. Enfin vraiment, on a décidé de changer complètement de délire. C'est Isabelle à les yeux verts. Non, Gwendoline. Ah, c'est Gwendoline à les yeux verts, j'avais oublié. Ouais, et on a essayé de changer complètement de style. Vous allez voir, ça va. Et vous croyez que le public va vous rester fidèle? Ben, je sais pas. Moi, je suis pas fidèle, déjà. Je suis pas fidèle. Toi, t'es fidèle? Sauf que j'ai une chose à dire, c'est que Damien, il raconte aussi bien ses blagues qu'il joue de la bombarde. Hein. Bonjour, excusez-moi de vous importuner. Bonjour. On voudrait connaître un petit peu votre fonction au sein de l'organisation. On travaille pour la police. Mais on tient les barrières. On garde les barrières. Alors, garde des barrières, tenueuse des barrières, barriériste. Tenueuse des barrières. Un peu de froid. Ça demande quelle qualité pour... Savoir rester debout. Et voilà, savoir rester debout. Et vous les tenez parce que je suis sûr, vous les lâchez, elles tiennent encore. Hein. Essaye. Hey. Et ouais. Mais en fait, on est là pour surveiller les barrières. Au cas où on les vole. Au cas où on les vole, on sait jamais. Ou elles partent toutes seules aussi. Bah oui, ouais. Parce que c'est des barrières un peu fourbes. Ah oui, ouais. Très intelligente, hein. Développée intellectuellement. Donc. Elles partent par où? Elles partent au bistrot? Oh non, même jusqu'au hall et tout. Elles font un petit tour tout le temps de Saint-Martin, quoi. Un écœur. Ok. Putain, bah bon courage. Merci. On est obligé de te demander en fait un bilan. Parce que ça fait il y a une journée de passé, quoi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Le temps est avec nous, les artistes sont contents, les exposants sont contents, il y a un flux ininterrompu de gens qui passent, on ne peut qu'être satisfait de cette 14e édition. Mais je crois pas que s'il faisait un chouïa moins chaud quand même, les gens ils seraient plus là. On va pas se plaindre au niveau du temps, parce qu'on a toujours dit qu'à la foire aux croûtes il pleuvait, et pour une fois qu'il ne pleut pas, on garde ce temps-là, hein, on fait avec, on s'adapte. Et puis, vous êtes beau l'année dernière. Et puis, vous êtes beau l'année dernière. Non, il faisait pas si beau que ça. Vous êtes beau l'année d'avant. Faut remonter à, je sais pas, 92. Pour avoir une belle année. Attends, je veux juste avoir un bilan. Après un an. Fatigant. Premier jour très bien. Vendredi comme tous les ans, personne. Donc. Fatigant parce que très chaud et pas de passage, donc personne pour discuter. Mais vas-y, discutons. Mais non, bilan général, bien.
bien cette année, des trucs carrément cool. Il y a plein de trucs à l'extérieur qui sont vachement béton. À l'intérieur aussi, il y a eu quelques trucs qui m'ont bien fait kiffer. Donc non, bon millésime cette année. Au-delà de la musique, au-delà des croûtes, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation musicale, de la programmation et tout ça et tout ça ? Bien, le truc c'est que j'ai pas pu en profiter énormément parce que étant là, je pouvais pas trop aller voir ce qui se passait. Le soir c'est fermé ? Le soir, plus envie d'aller prendre un bain du côté de Plouguerneau que de venir voir les concerts, histoire de se détendre un peu et de prendre un peu de frais à la fin de la journée. L'eau était froide ? Non, elle était bonne. Autour de 16 degrés, c'est parfait. Bon, et autrement, là, tu as une épée, je vois, et tu t'en sortais bien pourtant. C'est parce que l'épée t'a tué ? C'est un peu ça, ouais. Mais si avec l'épée, encore, c'est gré. Faudrait que tu regardes de plus près, et à mon avis, tu verras pas que c'est pas forcément l'épée qui m'a tué. C'est le nucléaire, des centrales nucléaires ? Ouais, anti-G8 aussi, donc le nucléaire et tout ce qui s'ensuit, ouais. Moi, c'est toi qui es une fan des manifestations. Oui. Ouais, je passe ça en rentrant d'une manif pour soutenir l'école. Ouais. Mais en ce moment, tu dois être vachement, vachement inspiré, en fait. Ouais, si on veut. Ouais. Ben, j'ai pas que celui-là, mais bon. Il y a déjà pas mal d'astites qui en ont pas d'autres sur des banderoles. Ça permet de s'exposer un petit peu. Et tu vas sortir en manif avec, tu pourrais mettre un slogan, je sais pas. Non, parce que celui-là, je le propose pour la tombola de samedi. Voilà, en espérant qu'il tombe sur quelqu'un qui est pro-école publique. Et toi-même, t'as pris un billet ou... Oui, j'en avais à vendre. Tu crois que tu vas gagner quelque chose ? J'ai déjà gagné l'année dernière. Il y a 8 ans j'ai gagné une croûte. Donc ça fait 8 ans que tu reviens. Quel bilan au bout de 8 ans ? Je dépense des sous et je gagne plus rien. Mais cette année je vais gagner à nouveau. Attends, on peut peut-être trouver les gens qui vont faire le tirage au sort ? J'en fais partie. Tu fais de la foire aux croûtes depuis 4 ans. Attends, depuis le temps que t'es là. Parce que tout à l'heure on a vu ton fils, mais ton fils il tient quand toi tu vas manger et picoler. C'est ce qu'il nous a dit hier. Ouais. Hein, mais toi, quel bilan tu fais de la foire aux croûtes ? Il y a du vrai. Un bilan. Bah, c'est bien, on est passé du 30 exposants à 150 et c'est parfait. Et toi tu dis qu'il y a du vrai parce que franchement c'est un peu glaudant, puis il y a du vrai. Moi je suis passé par là, donc par quoi, par les bistrots ou par les expositions? Par les bistrots et les expositions, les deux la fois. Et ils s'assument. Et on se plaît très bien ici. Les gens vont à la plage, c'est trop bête, on est à la plage Guérin quand même. Allez, bon, ils viennent le soir quoi. C'est surtout le soir, effectivement. J'ai pris quelques noms là, effectivement, certains ont du mal à la tête le lendemain. Hein. Toi non ? Pas de nom. Non mais toi, t'as pas mal ? Moi j'ai... Non, je vais pas donner le mien non plus, hein, parce que je suis pas si content ça, mais enfin bon. Autrement, mon nom d'artiste est René Thébault. Mais ça ressemble à mon prénom. Et t'avais mal au crâne ou pas ? Moi c'est ça qui m'intéresse. Ce matin, si, un peu, ouais. Si, mais il faut passer aux ailes des fois chez vous. C'est parce qu'il fait chaud. Ça doit être la chaleur ou la bière qui est mauvaise ou un truc comme ça, ou des mauvais copains aussi. Ou des très bons copains qui deviennent très... Qui payent trop de coups, quoi. Ouais, voilà, exactement. Hey, vas-y. Bon, t'es prêt ? Oui. T'es prêt, dit ? Bon, Marcel, on t'a envie de la vieille. Quoi. Bonjour, bonjour. Quoi que c'est-tu que cette cuvée ? Bon, ben, c'est pas mal. Pour l'instant, le temps est avec nous, comme on dit. L'année prochaine, on verra. On n'est pas sûr d'avoir le bon temps. Il est vrai que là, pour l'instant, c'est agréable. Donc, c'est dur. Et tout ça, c'est à cause de la couche d'ozone, tu nous as dit l'autre jour. C'est aussi, oui. Et puis, le pétrole qui est arrivé, donc, a changé tout le climat. Et puis, en fin de compte. Tant mieux qu'au moins on est chaud ou cool. Ouais, parce que ça fait bon, c'est de la bière quand même. Non, c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est pour une animation, c'est pour que tout le monde se rencontre, rigole, s'amuse, et puis bon, une limonade de temps en temps, ça peut pas mal non plus. Ma 18e année de limonade. Et la 14e fois en route quand même. Thank you.
Excuse-moi, c'est un nouveau métier ça? Oui, c'est un nouveau métier, c'est absolument nécessaire et indispensable à cause de la chaleur. Il y a des tas de personnes ici qui n'ont pas eu le temps de prendre leur douche ce matin. Et avec la chaleur, c'est une odeur absolument épouvantable. Et donc je suis payée pour remédier à cela. Donc c'est les... après les emplois jeunes, mais pourtant c'est fini, non? Tu veux dire par là que c'est plutôt les emplois vieux? Bah je sais pas, tu te considères comment? C'est à cause de mon âge que tu dis ça. Et donc tu sers à quoi? Il faut leur demander, tiens. Tu crois que c'est utile? C'est gentil comme tout. Ah oh, c'est utile. C'est utile. Regarde, à quel état je suis là. Hein? Grâce à elle. Il y a une odeur particulière dedans, romarin. Tu peux choisir ton odeur ou pas? Ça veut dire quoi? Parce que c'est un service hygiène, donc tu peux choisir. À partir de 18h, ce sera pastis. À l'heure de l'apéro. Ou crème de cassis. Ouais, non, ça, ce sera après manger. Le bilan est bon? Pour l'instant, ça se passe bien, oui. Ouais. Bon, oui. Bon, le bilan, moi, je gère pas trop cette chose-là, mais apparemment, ça a bien fonctionné. Ouais, c'était très bien. Bon. Les gens sont sympas. C'est très sympathique, même. On a le soleil avec nous, tu vois, donc c'est bien. Et c'est souriant, c'est accueillant. Voilà. Bah, c'est... Comme tous les ans, c'est d'ailleurs. Toi qui accueille, hein. Comme tous les ans, la foire aux croûtes, c'est un spectacle, c'est une bonne animation. Et ceux qui veulent y venir, bah, ils peuvent y venir comme ils veulent. Okay. Voilà. Merci. Bilan du bar. Du bar, bah, très bien. Très bien. Très bien. Bien. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Tu sais ce que c'est ici en Bretagne, les gens n'ont pas de soleil. Donc ils se mettent tout le soleil comme ça dans la boisson. Au troisième jour de frites et de ketchup et de mayonnaise, ça donne quoi? Ça donne que, bon, si avec les frites et de la mayonnaise ça irait, mais bon, par-dessus on arrose de bière et puis d'autres choses pas très bonnes pour le foie et pour la santé. Et donc, quand en plus on dort pas par-dessus, c'est vrai que ça fatigue. Mais au moins les frites et la mayonnaise ont un avantage, c'est que ça donne de l'énergie. Voilà. Ça cale. Ça cale. T'es d'accord? Ouais. À peu près, bon, moi j'arrose moins, mais je dors peut-être un peu plus. Je t'arrête pas de te voir au comptoir. Ah bon? Ah mais c'est parce qu'il y a mes parents qui sont souvent, donc je vais dire bonjour, je fais social. C'est les parents. C'est je les suis, parents moi je bois pas. Ah ouais, en fait là les parents ils te surveillent, donc t'es pas libre de faire ce que tu veux, là t'es vachement surveillé. Ouais, voilà, à peu près. Pourtant quand on te croise au casino, tu prends tout le temps de l'alcool fort. Ouais. Je t'ai pas vu souvent, pourtant, c'est marrant. Elle s'appelle Fabi. Elle est pas là, quoi. Bah non, parce qu'on lui a piqué ses papiers, parce qu'elle demande la nationalité sénégalaise, et elle est blanche. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc on la représente, Fabi. Elle est blanche, elle demande la nationalité sénégalaise. Parce qu'elle est tombée follement amoureuse d'un mec super beau.
Sinon, c'était moi qui le prenais, donc c'est Fabie, quoi. Mais... non, je plaisante. Elle s'est mariée là-bas, et donc elle a demandé la nationalité, parce que c'est évite d'aller pointer, si tu veux, tous les 3 mois à Dakar, pour pouvoir rester. Elle travaille là-bas, elle s'occupe des enfants, elle fait de l'alphabétisation, de l'aide aux devoirs, et puis elle peint, et puis elle fait plein de choses superbes. Voilà. Et Fabie, vaut le coup d'être connue. C'est une bonne foire aux côtes. C'est, je crois que c'est la meilleure. La meilleure. Ah, depuis 10 ans, ouais, c'est la meilleure que je pense. Par rapport aux croûtes, justement, ou par rapport à l'ambiance? Oh bah une croûte, il y a une croûte en face de vous, c'est moi. Et l'ambiance? Mais l'ambiance excellente. Pourquoi t'es pas chanceuse? Bah justement, non, je sais pas, j'ai quelque chose en moi qui fait que ça ne marche pas. Bah tu vois, j'ai pas de chance, je rencontre tout le temps des gens. Pourquoi c'est triste de rencontrer les gens, c'est ça? Non, mais moi je rencontre des gens bizarres. Marlène, c'est vrai. Pourquoi Marlène, t'es bizarre? Bah je sais pas, vous êtes ensemble, hein, Marlène, t'es quelqu'un de bizarre ou... Elle, ça va. Ouais, elle, ça va. Mais moi, par contre, j'ai pas de chance. C'est vrai que... Pourquoi c'est l'exception à la règle? En ouais, fait, voilà. C'est la seule personne que t'as rencontrée normale. Mmh. Ouais, ça va, ouais. Elle, ça peut aller. C'est vrai que... Ouais. Elle a de la chance parmi les autres. Ah bon, voilà. Donc ça peut aller. T'es qu'à moitié bizarre, en fait. Merci. C'est vachement positif, ouais, quand même. Trouve, ouais. Dans les jardins, mon père, on a mis des toilettes. Nous pousser les framboises, des voitures en crochet. Dire qu'avant ce carnage, Cariguette et Galeuse poussaient en bon ménage, les plantes étaient heureuses. C'est là qu'il a grandi, entre les deux furies, grand chapardeur de corde, avant-centre de football. Oh, qu'est-ce que tu fais là, à part te promener sous le soleil brestois? Bah, je viens faire un petit tour à la foire aux croûtes et puis je fais quelques pétards. Voilà, quoi. Mais Sarko, il va te piquer ton scooter, alors? Hein? Sarko, il va te piquer ton scooter, alors? J'ai pas de scooter, moi. Ah merde, comment il va faire, Sarko, alors? Non, parce que Sarko, il a dit qu'il piquerait les scooters des jeunes qui fument des pétards. Comment tu vas faire? Non, je fume pas les pétards, je les pète, les pétards. Ah, d'accord. Non, franchement, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ouais. Bonjour. Ouais, en tant qu'artiste de rue, quand même, d'habitude, t'es dans la rue avec les anaxopotes, là, t'es plus trop anaxopote en ce moment, mais bon, avant, les fois où on te voyait, c'était beaucoup dans la rue, quand même, et par terre et tout, et là, c'est sur du bois. Pourtant, tu te définis toujours comme un artiste de rue, c'est écrit artiste de rue sur ton truc. Mais c'est pas moi, je me définis pas comme artiste de rue, par contre, j'aime que les artistes de rue. Non, j'aime beaucoup les artistes de rue. Dans la rue, on rencontre toute la vérité des gens, je pense, quels qu'ils soient en costard, artiste ou autre. Et j'aime bien la rue. Et ta vérité à toi, c'est quoi? L'éphémère. Roland, tu fais des œuvres qui sont fixes, parce que tu fais ça en plus à l'huile, donc c'est pas éphémère. C'est la glycéro, c'est de la peinture pour les salles de bain, les cuisines et tout ça, l'intérieur. Mais demain, elle sera repassée. C'est pour ça qu'il faut pas que ça reste. C'est juste le moment, puis après... Donc après, tu les repasses en blanc, quoi? Ouais, je pense. À part les petites que je vais garder, mais les panneaux comme ça, c'est juste pour peindre sur le moment, quoi. C'est sympa pour les gens de voir les artistes bosser un peu. Non? Tu trouves pas?
Comme ça au moins on est sûr que c'est eux qu'on fait. C'est clair. Et qu'est-ce que t'es en train de faire avec le crapaud là? J'essaye de manger la petite dame. Ça se fait, pardon, ça se fait ça de manger les petites dames? Ouais, pourquoi pas? Et de manger les micros? Tu crois pas que ça se fait? Bien sûr que oui, ça se fait pas. De quoi? Sinon après on est en prison. Et en prison. Et c'est nul d'être en prison parce qu'on mange pas ce qu'on veut. Ah, parce qu'à la maison, tu manges ce que tu veux? Bien sûr que oui. Et c'est quoi que tu manges à la maison? Des pâtes. Des pâtes tous les jours, des pâtes? Pas tous les jours, quand même. Alors bienvenue au moment que vous attendez tous, le moment le plus crucial de cette superbe fête, le tirage de la tombola. Je vais vous présenter ceux qui vont animer cette tombola. Nous avons tout d'abord mademoiselle Tombola qui va venir vous présenter les tableaux devant vous. Nous avons Yann, un interprète au cas où il y ait des sourds-muets dans la salle. Et enfin Corinne, Thomas et moi qui allons animer un petit peu ce tirage. Voilà, alors je devant moi tous les billets qui ont été achetés et il y en a énormément. Il y en a un gros paquet. Ouais. Alors nous avons les... Tout de suite, on commence tout de suite parce, oui, parce que nous avons beaucoup de temps à donner ce soir. Et tout de suite, notre greluche de service ça vous présente le premier tableau. Paysage de campagne de... C'est illisible, je crois que de c'est campagne la campagne avec de la lavande apparemment. C'est magnifique, hein, cette maison. Et le gagnant est... Le gagnant est Jeanne Le Gouen, 7 rue Cassard à Brest. Bravo Jeanne Le Gouen. C'est le petit garçon là-bas qui s'appelle Jeanne Le Gouen apparemment. Ami de la météo, que s'est-il passé à tes pieds? Ça a chauffé dur. Voilà, 3 jours de foire aux croûtes. Et là, j'ai en fait la trace des sandales. J'ai même plus besoin de mettre de chaussures, en fait. Donc, c'est très joli. Je fais de l'art, du body art, en fait. J'ai fait une expérience. Donc, je suis restée 3 jours au soleil. Et donc, résultat des courses, il y a de jolis motifs. Et je vais peut-être vendre mon corps à l'art. Donc si quelqu'un veut des pieds décorés, il n'y a pas de problème, il faut s'adresser à la cousine. Vous allez bien là ? Ouais !
là, c'est de la brève de comptoir. C'est un client qui rentre là, qui vient pas là régulièrement, qui vient de temps en temps, et qui dit « Ah, c'est sympa, c'est animé, tout ça. » Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de peinture, quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que la forocroute, c'est ça la base, c'est la peinture, en fait. Mais bon, c'est sympa, quoi. Allez, on arrive, on fait des...